messager. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, repeint des bois. Chacun son tour conduit la danse. Porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Le débat qu'on ramène de temps en temps sous l'antenne ou à droite, à gauche, ailleurs, c'est très intéressant sur le racisme. Racisme et antiraciste et antisémitisme. Vous savez, une chose qu'on oublie de temps en temps, parce qu'il y a, comme histoire de voile que je viens de vous dire, la vérité, je vous ai dit la vérité sur l'histoire de voile, et si vous êtes un homme ou une femme de cerveau, rationnel, vous réfléchissez, vous allez voir que David, il a raison. Voilà. Il suffit de réfléchir seulement, parce que le Dieu n'est pas pour vos quatre mèches de chevaux, là. Si vous êtes en postiche, vos chevaux même... Ça ne gêne personne, hein. Voilà, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Mais sur d'autres choses, par exemple, antisémitisme, racisme, quand on parle de racisme, antisémitisme, tout de suite, on ramène d'autres religions, d'autres, soi-disant, patati patata. C'est pourquoi, puisqu'on n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire antisémitiste et raciste. Race, ça veut dire l'ethnie. Race, ça veut dire peuple. Quand vous êtes contre un peuple, contre une ethnie, vous êtes raciste. D'accord? Mais vous pouvez être contre n'importe quelle idéologie et religion dans le monde. Et ça, il n'y a pas de crime. Voltaire était contre certaines religions. Et la plupart des gens sont contre certaines religions. Ah, si ils ne sont pas contre, s'ils aiment toutes les religions, il y en a déjà, il y en a. Mais les gens qui vont aller dans le temple réservé à eux-mêmes, ils n'aiment pas l'autre religion. Alors, ils ne sont pas dans le crime raciste, antisémitisme, puisque c'est la religion, c'est l'idéologie. Si vous êtes contre communisme, marxiste, capitalisme, je ne sais pas quoi, quelisme, c'est ça. Mais si vous êtes contre une race, une sorte de population, une ethnie, vous êtes raciste. En même temps, il dit aussi antisémite. Sémite. C'est qui les sémites? C'est qui? Selon la Bible hébraïque, hébreu, Noé, il avait 3 enfants. Et comme vous savez son histoire de bateau, tout ça, vous êtes au courant, il avait 3 enfants. C'est ces enfants-là qui sont des sémites. Tous les enfants de Noé. Après, les enfants de Noé, à l'époque d'Ishaq, Jacob et Issou, parce qu'il va avoir 2 enfants, Jacob et Issou, il aurait une division, comme il était à l'époque d'Adam et Ève. Voilà, il va être une division, Jacob d'un côté, Issou de l'autre côté. Et on pense, que l'Europe s'était fondée par les enfants d'Issou et Orient c'était par les enfants de l'autre. Mais sémite, ça veut dire descendant de l'ethnie. Vous voyez, il n'y a pas de religion. Judaïsme, comme maintenant qui existe, au christianisme, au islam, à l'époque n'existe pas. À l'époque, sémite, c'est-à-dire les enfants de Noé, c'est une population, c'est une ethnie. En plus, vous savez, tous ces sémites, c'est des émigrés de péninsule d'Arabie, c'est-à-dire Arabie Saoudite d'aujourd'hui. C'est d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Ils se sont émigrés de péninsule d'Arabie vers Mésopotamie. Mésopotamie, 7700 ans. Et son nom... Personne, au lieu de Mésopotamie, on dit Ilamian. Ilam, c'est la même chose avec Iran, Arménien, Iranien, Arian, et Ilamian, c'est la même chose. Ils se sont émigrés d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, péninsule d'Arabie. Ils sont allés en Mésopotamie. Après, ce sont des Perses, des Iraniens. C'est pour ça que je dis la totalité des Juifs, leur origine, c'est l'Iran.
La totalité. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. En grande partie, ils ne savent pas. Mais la totalité des Juifs, ça vient d'Iran. Et surtout que la plupart des noms que vous voyez, c'est des noms persans. C'est des noms iraniens. Qu'ils soient Cohen, Lavi, Katan, Merzaï, tous ces noms-là, c'est des tribus iraniennes persans. Alors, quand on dit que tu es antisémite, ça ne veut pas dire que tu es contre une religion, tu es contre une population, c'est ça qui est criminel. Quand tu es contre une population, c'est différent avec, d'être contre une idéologie, ou une religion, ou une obédience. Est-ce que vous avez compris, mes amis? C'est très important, c'est à réfléchir. Ce que je vous ai dit, même les gens que vous voyez à la télé, à la radio, ils viennent des philosophes, des écrivains, de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ne savent pas ça. Une des choses que ça peut vous aider dans la vie, pour devenir quelqu'un avec une pensée divine et énorme, c'est ça. Je vais vous donner un conseil. Deux choses, mais pas, malheureusement maintenant, on n'a pas besoin. Mais à l'époque, combien on a fait du travail pour apprendre. D'abord, apprenez plusieurs langues. Ok, après vous pouvez lire plusieurs histoires d'origine. Il ne faut pas aller chercher la traduction. Deuxièmement, lisez la philosophie. Étudiez la philosophie. Pas la philosophie de Heidegger, Marx, limitée dans une période, dans une personne. La philosophie de Zarathustra, comme elle dit, Didier, il dit dans son chanson Didier. De Zarathustra, Moïse, Jésus, Bouddha, tout, philosophie. Ça vous donne... Actuellement, même si il va trouver un mot, il tape sur Google traduction ou GPT, c'est terminé malheureusement. Mais à l'époque, moi, je vais vous dire ce soir, là, mes chers amis. Moi, quand je voulais trouver quelque chose, je vous assure, j'ai voyagé à Konya, la ville de Rumi, en Turquie. J'ai resté un mois dans la bibliothèque de là-bas pour trouver des choses. J'ai parti à Damas, bibliothèque. Le Caire, bibliothèque. Londres, bibliothèque. Mais maintenant, c'est pas notre époque, c'est terminé à l'époque. Oh là là, oh là là. Et les informations qu'ils nous donnent, c'est très faible. C'est très très faible. On ne sait pas énormément des choses, mes chers amis. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Je ne veux pas parler trop. Pourquoi? Parce que je veux vous donner la parole. Vous avez la parole. Appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Que vous venez de l'entendre tout à l'heure, et il m'a téléphoné, il a déjà une heure, de Los Angeles. Est-ce qu'il est à Los Angeles? Alors, il m'a dit qu'il était malade. Le garçon que tu l'as aimé tout à l'heure, qu'il annonce le numéro de téléphone, ce garçon, tout à l'heure, il m'a téléphoné en disant qu'il est malade. Il était avec Marshall Manish, un grand acteur hollywoodien. Alors, il m'a dit que je suis malade. Il était malade en train de voilà, aller à l'hôpital. Et tout ça. Oui, on vous écoute, on vous entend bien. Vas-y. Ah, le petit garçon, hein, quel âge il a? 10 ans. Et j'espère que pas bon. Non, je crois qu'il y a des virus, ça va aller actuellement. Il faut porter le masque partout, hein, parce qu'il y a des virus partout. Bon, ben, je lui souhaite une bonne santé rapidement, hein. Bon, alors le racisme. Moi, je suis d'accord avec ce que tu nous as dit, hein. Mais je sais pas, je pense que je voudrais quand même dire deux, trois choses. le mot racisme,
enfin, étymologiquement, ça veut dire, enfin, c'est né d'une, d'abord de d'une, enfin, des différences, ça vient des différences physiques entre les êtres humains. D'ailleurs, nous sommes tous différents, hein, biologiquement. Et ça vient d'une, qui a amené une croyance, chez certains, mais je vais bientôt dire lesquels, que les uns sont supérieurs aux autres. Et en l'occurrence, les hommes blancs, depuis longtemps, se croyant supérieurs aux hommes noirs. C'est d'abord ça l'origine du racisme. Bah, à l'échelle de l'humanité, hein, il me semble. Bon, donc tout ça, et tout ça, ça a servi à ce que les uns dominent et exploitent les autres. Et ça continue d'ailleurs. Bon. Maintenant, concernant, enfin ce que tu dis concernant le rejet, hein, des ethnies, au sens. Enfin, beaucoup plus largement, et ça concerne évidemment les Juifs. Peu importe, hein, ce que je vais dire. C'est plutôt, pour moi, c'est, enfin, et c'est d'ailleurs dans la loi, c'est de la xénophobie, c'est-à-dire le rejet de l'étranger. Mais bon, c'est un peu idiot que je dise ou que je répète ça, parce que de toute façon, humainement parlant, c'est la même chose. Enfin, c'est aussi insupportable et aussi intolérable. Donc finalement, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis la loi qui interdit l'incitation, hein, au racisme et à la xénophobie, elle dit la même chose en France. Mais je ne sais pas si tu... je reviens là-dessus parce que on a eu sur l'antenne cette semaine un débat assez pénible. Enfin, pour la première fois. Hein. Et enfin, moi, je me suis heurtée au même problème que d'habitude. Et puis, il n'y a pas que sur l'antenne, hein, dans ce pays, dans ce monde. Hein. C'est que, oui, il y avait ceux qui... J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant, ici et maintenant, mais pour l'instant ça. Léa, on vous écoute. Oui, alors d'abord, tu sais comment elle disait, enfin oui, tu sais, Morgane Petite, elle disait 08 92 23. Bon, j'arrête. J'arrête quand je...